Ah non, ça griffe. Les aisselles. Je suis coincée, attendez. J'ai pris quelle taille? Ah ouais, non, là, il y a un problème, là. Désolée, je sais pas pourquoi. Ses cheveux sont en mode... Allez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne qui en avait énervé plus d'un ou plus d'une. Je ne fais pas de différenciation de sexe. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va refaire la vidéo où je fais mon shopping à l'aveugle sur Asos. 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 Il serait temps que le créateur de ce site révèle enfin comment on prononce ce putain de mot. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous la mets dans le petit i juste ici. Je suis sûre que c'est ici. Pointe les deux comme ça, pas de problème. Et cette vidéo, j'avais eu plein de commentaires de gens qui m'ont dit « Ouais, tu triches, bouh, pourquoi tu joues si tu joues pas ? Ça veut rien dire. » Parce que c'est vrai que des fois, j'ai levé le bandeau, j'ai regardé sur quoi j'étais tombée et je n'ai pas mis cette pièce dans mon panier. Mais à la fin de la journée, qui c'est qui paye ? Eh bah, c'est moi. Donc j'avais pas envie de payer pour des trucs de merde. Sauf que bah c'est vrai que du coup, bah le jeu, c'est pas trop le jeu, quoi. Donc on va refaire cette vidéo, je vais retourner sur Asos, je vais mettre le petit bandeau qui se situe par terre, juste ici, sur mes yeux, afin de ne rien voir du tout. Et quand je clique sur un truc obligé, je l'achète. Vraiment, vous saoulez, hein. C'est pas vous qui payez, hein. Je sais pas pourquoi. Je sens ça va être bof dans la beauté quand même. Et du coup, j'ai mon ordi avec moi et faut qu'on se grouille là. Parce que la livraison premium se termine à partir de 16h, ce qui nous laisse une heure pour choisir. C'est peu. Ah ouais, je suis désolée aussi, le soleil arrive, le soleil part, je ne sais pas. On voit un chat mignon juste ici. Qui s'appelle Oseille, pour ceux qui ne le savent toujours pas. Voilà, je suis sur le côté et je vais vous montrer bah, mon truc là, comment on met déjà. Allô, allô. Oh. C'est bon, je vais mettre mon petit bandeau. Alors on va vraiment avoir une tête, encore une fois, très Koh-Lanta, hein. Ça donne un style. Évidemment, on active le cashback Igral. Voilà, comme d'habitude. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais vous avez quand même mon lien de parrainage dans la barre d'infos, si jamais vous voulez gagner de la thune. Et évidemment, moi j'en gagne également quand vous utilisez ce lien. Donc c'est un peu gagnant-gagnant, quoi. En tout cas, voilà, le cashback est activé, ça peut dégager. Est-ce qu'on va sur les soldes? C'est un peu risqué, hein. Parce que quand même, déjà que je suis difficile, mais alors souvent sur les soldes, un peu des trucs qui sont moches. Je sais pas quoi faire. On est chaud. Pour ceux qui se souviennent, dans la première vidéo, je ne voulais rien acheter parce que je trouvais tout trop cher. Le truc, c'est que je suis trop habituée à acheter mes vêtements dans les trucs chinois, dans les trucs Zafoul et tout. Du coup, c'est un... je trouve ça cher à chaque fois. Faire son shopping. Est-ce qu'on s'achète une robe? Ça se tente, hein. Trier par collection principale. Gamme de prix. Calmons-nous. J'ai juste chargé plus de trucs. Parce que sinon, quand j'ai le bandeau, à chaque fois, je suis en bas et je le sais pas. Le bandeau fait que je ne vois pas. C'est le principe de la vidéo. Ok, vous êtes prêts? On se moque pas de ma tronche. Ok, je vois rien. C'est parti. Oh là là, cette vidéo est trop stressante. Je clique. Comme d'habitude, hein, on a raté, on recommence. On clique. Oh, mais c'est un délire, hein. Ça me le fait à chaque fois, hein. Je suis vraiment une empotée de ce jeu, hein. Enfin, ce jeu. T'as compris. Je clique. Ah, oh là là. Je veux pas faire cette vidéo. En vrai, j'aime bien le style, tu vois. Ça pourrait être mon style. Mais la vérité, ces couleurs-là... C'est pas trop mon délire. Putain, il y a ma taille. Je vais prendre. Ah là là, c'est pas mon délire. On ajoute au panier. La robe, c'est bon. Quel choix délicieux. Pull et cardigan. On aime bien les pulls, c'est sympa les pulls. 80, je suis généreuse. Ok, vas-y, c'est bon. Je clique. 57,99 pour un tricot épais. Je suis désolée, mais c'est trop cher, ça. Je l'ai sur Zafou, là, à 20 euros, ça. J'avais dit que je trichais pas, mais la vérité, c'est cher. Ah, y a plus ma taille. C'est pas moi que j'ai décidé. Je l'aurais payé, sinon, hein. C'est juste y a plus ma taille. C'est pas ma faute. Quel dommage. Il était si beau. On recommence. Ok, c'est bon. Quel dommage, oh là là. Je suis déçue. Donc on part quand même sur des choses qui sont des couleurs que j'aime le moins au monde. C'est-à-dire le vert. En vrai, il reste du S et ma taille, hein. Je suis obligée de le prendre. Je sais pas pourquoi je m'inflige cette vidéo. Vas-y, c'est bon, je le prends. En vrai, il est pas moche, hein. C'est juste vraiment ces couleurs, pas trop mon délire. On va prendre les tops en espérant que ce soit top. On refait pareil, collection principale. Je pense que des tops, on en prendra plusieurs, hein. C'est parti. Je sais plus, je suis où là? Je suis au milieu, je suis en bas, je sais plus. Je clique. C'est pas du tout un truc que j'aurais acheté de base. Ah, j'avais pas vu ma tête. Pardon, excusez-moi de vous avoir infligé ça. J'aurais pas pris ça de base. Mais c'est vrai que j'étais chaude d'une marinière là ces derniers temps. Ah, par contre, c'est ouvert sur le côté. Pourquoi? Quel est le principe? Bon, bah go, hein. En vrai, ça change les couleurs. 32 ou 34? J'ai des longs bras quand même, hein.
Ok, vas-y, je prends 34. Ajouter au panier. Un panier qui ne me réjouit absolument pas. Je vais prendre d'autres trucs. Par contre, j'aime bien les soldes, hein. C'est pas cher, pour une fois. Je clique. C'est un t-shirt que je pourrais mettre. C'est juste que vraiment, utilité zéro pour le coup. J'ai environ 70 t-shirts qui y ressemblent. 36. Ok. Un dernier petit top. Ok, là, on est tout en haut. C'est ma dernière chance d'avoir quelque chose de stylé. Je suis en pression. La pression est à son comble. Je clique. T-shirt de Noël. Non, par contre, ça compte pas vraiment. C'est fini, Noël. Non. Là, c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Non, vraiment. Je m'en fous. Joker. Je sais ce que vous allez dire, je vous entends d'ici. Et la vérité, même pour 2,99€, en vrai, c'est 3€ pour rien. Ça sert à rien. Déjà que cette vidéo ne sert pas à grand chose. Évitons d'apporter des choses inutilement. Non, vraiment là. Je m'en fous, vous pouvez me traiter, je m'en fous, je l'achète pas. Je suis grave en stress parce que c'est vraiment la dernière chance d'avoir un top plutôt sympatoche. Go. Ah, mais je peux plus respirer. C'est parti. Je clique. J'ai pas cliqué, si j'ai cliqué. À quelle occasion je peux mettre ça? C'est très sympathique. Mais à quelle occasion? J'aime pas trop ma vie là en ce moment. Ok, bon bah go hein. Y a-t-il ma taille? Oui, je vais prendre 34. Ajouter au panier. Déjà 100€ pour des trucs... Donc on a fait les robes, les tops, un pull. Qu'est-ce qu'on peut faire? Combinaison, j'aime bien les combinaisons. Mais vraiment là, on dirait que je viens de me réveiller. Je ne comprends pas pourquoi ces cheveux décident d'être comme ça aujourd'hui. Je ne comprends pas. Pas grave, hein, écoutez. Je me suis mise dans des situations bien plus pires que celle-ci. Hein. Faut que je charge un petit peu. C'est parti pour s'acheter une petite combinaison. Plus je me regarde, plus je me trouve moche. Allez, c'est parti. Je clique. J'ai cliqué ou pas? Alors là, c'est vraiment pas mon style. Oh là là, non. Je vais être trop moche dans ça. Mais pourquoi il n'y a que du vert? J'aime pas le vert. J'ai pas trop hâte de me voir dedans ça. Ajouter au panier. Ouais, je prends une deuxième combinaison. J'aime trop les combinaisons. Oh là 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 là. S'il vous plaît, un truc mignon, Kiki. Oh là non. Oh là là. Ah, c'est sympa le dos. Mais c'est pas du tout mon style. À quelle occasion je vais me ramener comme ça? C'est parti, hein. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Afin de parfaire ce look, hein. Est-ce qu'on prendrait pas un petit pantalon? Gamme de prix. Oula, 350. Pas du tout, mon ami. 100€ et je suis généreuse. Pantalon, je suis genre grave difficile. J'ai chargé pas mal. Commence. Je clique. Hello, ma souris. Ah. C'est pas mal. Je mets jamais de pantalon de couleur. C'est pas mal, hein. Premier truc que j'aime bien. Ajouter au panier. Eh bah écoutez, on va terminer avec des petites chaussures. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, on n'a pas pris de jupe ni de petite veste. On fera après en fonction du budget des chaussures. Là, on est à combien? 176€. 179, je sais pas lire. J'espère que ça va être des baskets, s'il vous plaît, des petites baskets. Imaginez, je tombe sur ça, ça va pas du tout, hein. Je clique. J'ai cliqué ou pas? J'aime pas. J'aime pas du tout. Non, en vrai, ça va, tu vois, c'est des sneakers. J'aime bien le derrière et tout. Mais juste, c'est rose, quoi. C'est un peu cher, quand même. 38 deuxièmes, j'espère que ça sera pas trop petit. Mais normalement, Adidas, ça va. Ok, bon. Est-ce qu'on prendrait un autre petit truc? Oh, bébé. T'es belle, hein. J'ai pas pris des jupes. Une petite veste aussi, ça pourrait être pas mal. Une petite jupe sympathique, s'il vous plaît, messieurs, mesdames de chez Asos. Je clique. Des petites fleurs et tout. Oh bordel. On va mettre ça dans la vraie vie. J'ai promis que je le faisais, hein. 32, j'espère que ça va pas être trop petit. Et bah écoutez, voilà pour la jupe. On s'en serait bien passé. Garde le sourire. En toutes circonstances. On va prendre une petite veste. Voilà, j'ai chargé. C'est parti pour s'acheter une petite veste sympathique. Pour aller avec tous ces petits magnifiques petits vêtements magnifiques. Je clique. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coupe-vent pliable. Je suis pas trop dans une région où il y a du vent quand même. Hein. Ok, bah c'est bon, ajouter au panier. On a tout là. Oh, ça m'a rendu les cheveux gras cette merde. Il y a que du rose là. Hein. Oh là là. Je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est payer. Hein. Bah, écoutez, c'est parti, hein, je vais payer. Heureusement qu'on peut rendre les trucs gratos. Hein. En tout cas, j'ai bien hâte demain d'essayer tout ça. Je sens une mise en valeur de ma personne plutôt réduite quand même. Hein. Et on sait pas, peut-être qu'il y aura des bonnes surprises. Peut-être que je vais me trouver un nouveau style. On sait pas. Hein. En tout cas, bah moi, je vous dis à demain. Et en avant, du coup, vous, c'est pour maintenant. Ok, à tout de suite.
Oh, regardez ce que j'ai reçu après 5 jours, alors que normalement j'ai payé la livraison express en un jour. Ça fait trop bizarre du coup de commencer une vidéo sans vous redire bonjour. En vrai, je crois que je me souviens plus trop ce que j'ai pris. Papier très important, c'est celui qui va me servir à renvoyer tous ces petits vêtements moches. Alors... c'est quoi ça? Je me souviens plus. Par contre, vraiment là, je suis en train de me questionner sur ma mémoire. Je ne me souviens plus du tout. Alors que ça fait quand même que 5 jours. Ça va. Ah oui, c'est la combi léopard. Par contre, trop beau le dos là. C'est un dos nu, ça va être magnifique. Oh là là. Là, j'ai vraiment l'impression d'être une putain de panthère. Bon, j'arrive pas à mettre le deuxième, tant pis. Mais on voit mes seins de ouf là, par contre. Mais je n'ai jamais mis quelque chose comme ça. Est-ce que si je vous baisse, vous arrivez à voir? C'est spécial quand même. Mais je ne pourrais jamais mettre ça dans la vraie vie. Par contre, vraiment magnifique le dos. Bon. J'ai l'impression d'être une autre personne. C'est pas horrible, mais je mettrai pas ça dans la vraie vie. C'est un peu too much pour moi. Comme d'habitude, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je me souviens ça. Oh non, putain de merde. C'est la jupe en dentelle bizarre là. Oh là là. Mais je mettais ça quand j'étais en CM1. Mais encore une fois, en fait, il y a des trucs que je trouve trop beaux, mais c'est juste, c'est pas mon style quoi. Bon bah c'est parti, on va essayer hein. Oh non, 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 ça va pas du tout là. Ah ouais, mais non. Ouais mais pas du tout en fait. C'est vraiment le genre de robe que je mettais quand j'étais en primaire. Ça me fait penser à mes costumes de danse. Oh, non Xa, il faut pas. Non, tire pas. Faut que je la rende. Oulala. Ok, du coup ensuite qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, je crois que ça c'était le pire, je crois. Ah non 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 non. Vraiment ce vert est encore plus moche en vrai que ce que je pensais. Ça je sens. Non. Ça va, non, non, non. Qui est le devant, qui est le derrière? Ah, c'est trop moche. Oh, mais ça me rentre trop, ça me fait trop mal. Ah, ça me fait trop mal et je peux pas. Regardez à quel point ça me rentre. Imaginez devant, c'est horrible. Je ne peux pas. Faut vite changer là parce que ce n'est pas confortable. Du coup, ah, ça, je me souviens. Ça, encore une fois, le style ne me dérange pas. Vous voyez, le brun comme ça me va pas, je trouve. Bah non, du coup, non. Ce n'est pas mon style. Vous avez dit ces couleurs, c'est pas... Non, non, non. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ce n'est pas validé pour ma personne. Cette robe va faire partie du carton retour, à mon avis. Hein. Ensuite, c'était la seule pièce où, en vrai, j'aime bien. Par contre, ça a l'air cher transparent. Oh non, il est super beau. Je vois l'étiquette, là. Vous aimez bien ou pas? Moi, j'aime bien, c'est sympa, ça. C'est un pantalon carotte, un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est plus corail que rouge. Surtout la joie au retour caméra. Vous le voyez limite orange, non? Moi, j'aime bien. En plus, il est trop confortable. En vrai, il y a moyen que je le garde. Hein. Un truc positif depuis le début. Ça s'améliore quand même. Je vais aller mettre un jean. Alors, ça je me souviens. Ce n'est vraiment pas une couleur qui me va au teint. Par contre, c'est cher doux. J'adore la matière. Ouais, c'est vert sapin quoi. Moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça me va pas avec mes cheveux et tout. Mais la coupe, j'aime bien. J'aime bien, mais juste la couleur, je suis pas sûre. Ensuite, c'est un petit t-shirt. Mais c'est un crop ça. Ça m'a l'air minuscule. Ouais, c'est un peu crop. Regardez, on voit mon petit ventre. Ah, c'est un t-shirt blanc quoi. Je vais pas dire que j'aime pas hein, puisque c'est tout simple. En vrai il est kiki, c'est juste que par contre il est super transparent. Heureusement que j'ai un truc en dessous. Dites-moi par les commentaires si vous validez. Je sais pas si je le garde ou pas. En vrai il est chou kiki hein. Mais est-ce que ça sert à quelque chose que j'ai encore une fois un t-shirt blanc dans mon armoire? Je sais pas. Alors, ah oui, oulala, j'avais oublié ça. Oulala. Est-ce que vous voyez les reflets à la caméra ou pas? C'est un délire. Mais à quelle occasion je vais mettre ça moi? J'ai pris quelle taille? C'est minuscule. Ah, ça griffe. Ah. Ah non, ça griffe. Les aisselles. Je suis coincée, attendez. J'ai pris quelle taille? Oh. Ah ouais, non, là, il y a un problème, là. J'ai trop peur de fermer jusqu'en haut et de pas réussir à l'enlever. J'ai peur. Je suis pas à l'aise. Ça me serre, là. Je me suis trompée dans la taille, là. C'est pas possible. J'ai pris quoi comme taille? 34. J'ai l'impression que mes seins, ils vont exploser alors que j'ai des mini-seins. Papillon de lumière. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que ça me fait un corps trop chelou, genre. Ça fait un peu futuriste, hein. Et je ne pourrais pas rester toute une soirée avec ce haut qui me boudine bien trop. Là, c'est le moment que je redoute. J'ai trop peur d'être bloquée. Si je fais comme ça, là, je vais me griffer tout le visage. Comment je fais? J'ai l'impression d'être bloquée. Non, mais vraiment, là, si je fais comme ça, vraiment, je vais me griffer tout, là. Comment je fais? Ah! Ah! Ah, je suis bloquée. Ah, je suis pas du tout dans une position confortable. Ah! Ah non, vraiment. Arrêtez. J'ai l'impression que je me suis luxé une épaule, là. Ah non. Ah, je veux plus te voir. Ce haut m'a rendu claustrophobe, vraiment. J'ai pas du tout vécu un agréable moment. Je me suis sentie prisonnière de ce haut. Ensuite, il nous reste la marinière. J'avais grave envie d'une marinière. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop envie d'une marinière ces derniers temps. On dirait que je suis en pyjama. C'est très pyjama tout ça. Hein. On va tenter des choses. Mais vous voyez pourquoi j'aime pas quand c'est ouvert? C'est bizarre. Arrêtez parce que vraiment, je crois que j'aime bien.
Vive la Bretagne. Non mais je trouve ça cute avec des petites converses blanches là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je garde ou je garde pas? J'ai peur, ça fait quand même pyjama quand même. Ah je sais pas, je suis mitigée. Je sais pas, là pour le coup j'ai vraiment besoin de votre aide. Il reste plus que deux trucs. Qu'est-ce que c'est? Ah putain oui, un kawaii. Là pour le coup on dirait vraiment je vais en Bretagne. Je suis désolée mais c'est l'outfit parfait pour aller récupérer des coquillages en marée basse. Aïe. J'ai jamais vu une capuche aussi moche. Oh non. Je ne suis pas du tout à mon avantage. Là par contre s'il y a une mouette qui a envie de me chier dessus, je suis parée hein. C'est fou mais c'est moche, on enlève. Il nous reste du coup un dernier truc, une paire de chaussures. Et je me souviens elles étaient violettes. J'ai grave du mal avec le violet, je ne sais pas pourquoi. C'est absolument pas une couleur que j'apprécie fortement. Elles sont comme ça. En vrai, elles sont sympas, hein. Moi j'aime bien le modèle. C'est juste encore une fois la couleur. Pour une fois, c'est une couleur que je n'ai pas. Parce que c'est vrai que je choisis soit des sneakers blanches, soit des sneakers noirs. Je ne m'aventure pas trop dans les couleurs. On va tester. Hop. Ah, elles sont trop belles. Ouh là là, ce n'est pas bon. Je n'avais pas prévu de m'acheter des nouvelles chaussures. Elles sont vraiment trop confortables. Je crois que j'aime bien arrêter. Je crois vraiment j'aime bien. Je crois que je les aime bien pour de vrai. Le truc c'est, est-ce qu'on a besoin de chaussures violettes dans sa vie? Bon en vrai ça critique mais ça fait quand même 2-3 trucs où je suis pas sûre si je garde ou si je garde pas hein. Par contre il y a des trucs on est sûr qu'on garde pas par contre hein. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous êtes content que cette fois-ci je n'ai pas triché. En tout cas pas autant que la première édition. Je l'avoue je le reconnais, c'est vrai vous aviez raison. Mais je maintiens, c'est moi qui paye, c'est moi qui choisis. La discussion est fermée, ça c'est le mime pour discussion fermée. En tout cas nous on vous fait des petits bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si jamais la vidéo vous a plu, de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter. Et moi du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.